Bonjour, c'est Petit Chinois Dansé. Petite vidéo très courte aujourd'hui, comme vous avez pu le constater. On va juste débriefer un peu de la construction qui a été faite, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Je trouvais pas intéressant de faire vraiment un vrai gros let's timelapse dessus. Non, pour débrief, comme j'avais dit dans la vidéo précédente de Let's Time Live, puisque vous pouvez retrouver en haut à droite le petit i ou dans la description, j'ai changé, vous voyez, les différents niveaux des différentes maisons pour avoir un effet, pour essayer d'accentuer cet effet de différentes maisons tout simplement. Mais le truc, c'est que j'arrive. Techniquement, je trouve qu'il en manque, il manque encore un peu de... Un chouïa, tu vois, cet effet de plusieurs maisons. On commence à se rapprocher, mais là, je pense que j'ai un problème d'agencement sur les maisons. Je pense que le prochain test que je ferai sur ce genre de maisons emboîtées les unes par rapport aux autres, je le ferai avec... je le ferai sur une diagonale. Je me demande si une route en diagonale, et pas une route droite orientée dans le sens des blocs, hein, XY... je pense qu'une route en diagonale, ça serait plus propice à faire ce genre de choses, techniquement. Et aussi, un petit truc que j'ai remarqué, il faudra que je le teste aussi la prochaine fois, c'est que là, vous voyez, mes maisons sont avec un seul bloc de mur mitoyen. Et je me demande si, justement, doubler ces blocs-là et avoir une maison qui s'arrête là, qui s'arrête à droite comme ça, et une autre qui s'arrête à gauche comme ça... avec deux d'épaisseur en termes de mur mitoyen, ça pourrait pas m'aider à corriger tout ça. Donc je testerai ça sur les prochaines, entre guillemets, mises à jour, les prochains tests de ce genre de vidéo que je ferai. Je pense que je le ferai encore une fois, sauf si c'est très intéressant. Je le ferai encore une fois dans le format de la vidéo aujourd'hui. J'ai testé aussi, c'était un commentaire de Thomas Raclo, mais j'avais testé déjà au préalable parce que j'y avais un peu pensé, on s'est connecté toi et moi, et j'avais testé de commencer, en fait j'ai fait une maison l'une après l'autre, vous avez pu le voir dans le timelapse, et je pense que ça a aidé, mais bon, le résultat n'est pas encore, je suis pas encore satisfait du résultat, vous voyez, je trouve que c'est mieux, mais c'est pas encore ce à quoi j'aspire. Tu vois, ça c'était vraiment, ça faisait vraiment gros build. On avait vraiment la sensation d'une grosse structure. Mais là, on a un peu plus la sensation de plusieurs maisons, mais je trouve qu'en fait l'agencement est pas efficace. Je pense qu'on devrait aussi changer les matériaux de la base via la cobble, mettre par exemple de la stone brick par-ci par-là ou d'autres matériaux en stone, hein, notamment on pourrait aller voir de la. Pourquoi pas de la stone tout simplement, de l'andésite. Il faut juste que je vérifie que ces textures en texture pack normale elles rendent bien. Je pourrais mettre de la polish aussi, polish diorite, puis polish andésite, mais ça pourrait être vraiment intéressant. Mais donc voilà, pour débrief un peu sur cette vidéo, je trouve qu'on est sur quelque chose de plus intéressant visuellement, un peu plus intéressant, mais on n'est pas totalement sur quelque chose qui me plaît. Qui me plaît, je trouve pas que mon objectif est atteint à 100%, tu vois. En termes d'achievement, on est à 80%, il y a 20% sur lesquels on peut bidouiller pour arriver sur les 100%, qu'on veut. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo, et puis on va continuer lentement mais sûrement les prochaines qui arrivent. Je vais vous faire un petit truc RP, je commençais à aménager des petits trucs. Donc voilà, petit commentaire hein, pour me dire ce que vous en pensez, et puis moi je vous dis à la prochaine, peut-être en live aussi, hein, les gars, je live tous les mercredis soirs sur Minecraft, hein, donc sur Twitch, n'hésitez pas à me rejoindre les mercredis soirs, et voilà, c'est convivial, on discute, on échange, c'est bien, c'est bien. Sur ce, je vous dis à plus, et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo, allez, salut!